Merci, monsieur Aumont, de votre venue et je vous laisse la parole. Ce voyage que je vais vous proposer, encore une fois à marche forcée, je vais reprendre beaucoup de choses de ce petit livre que j'ai passé pas mal de temps à écrire dans les 10 dernières années, qui vient de paraître, et qui est également divisé en 5 parties. Les 5 parties, étoiles, galaxies, l'univers dans son ensemble, ce que les astronomes appellent la cosmologie, les nouveaux astres, que sont les supernovas, les quasars, les trous noirs, et j'en passe, et pour revenir à nos braves planètes, avec maintenant leurs milliards de compagnes, que sont les exoplanètes, puisque c'est une des très grandes découvertes des 25 dernières années. Les étoiles, évidemment, il y a longtemps que, dès l'Antiquité, enfin toujours, des hommes les ont contemplées dans le ciel. Dès l'Antiquité, on a compris qu'elles étaient beaucoup, beaucoup plus loin que le Soleil. Ce n'est que quand on a eu la lunette de Galilée et qu'on a compris comment fonctionnait l'organisation des planètes, qu'on a pu se rendre compte que les étoiles étaient très probablement de même nature que le Soleil, et simplement placées à des distances qui sont de 100 000 ou 1 million de fois plus loin que le Soleil. Et donc, pendant plusieurs siècles, le savoir sur les étoiles n'a pas... Il a quand même augmenté, on en a répertorié des millions. Et seulement donc, il n'y a pas un siècle, on sait comment ils fonctionnent, d'où vient leur énergie. C'est la fusion d'hydrogène, hein, quand on est bon d'hydrogène. L'énergie de base du Soleil, c'est la transformation de 4 protons en un noyau d'hélium qui permet d'avoir une énergie fantastique, du type de celle qui est dégagée dans les bombes à hydrogène. Donc les étoiles sur la séquence principale utilisent ce type qu'on peut appeler de façon un peu inclusive combustion d'hydrogène, que ça se passe dans le cœur à des températures qui n'ont rien à voir avec la surface qui dépasse 10 millions d'étoiles. Vous avez la séquence qu'on vient de voir pour le Soleil. Pour les plus grosses masses, au lieu du passage, le centre de l'étoile est tellement instable qu'il va s'effondrer pour produire une étoile à neutrons, en produisant une gigantesque explosion, on appelle une supernova, qui éjecte autour une partie de l'étoile. Et même, dans le cas d'une étoile de très grande masse, le produit final, au lieu d'être une étoile à neutrons, peut être un trou noir. Donc, revoilà ceci juste synthétisé. Je l'ai déjà dit, hein, donc je vais faire deux sautés. Voilà les nébuleuses planétaires annoncées, des images magnifiques faites justement avec le Hubble Space Telescope. On voit, c'est des nébuleuses qui en fait, si on les analyse, sont illuminées par la petite étoile qui est au centre, qui va devenir une naine blanche, et qui ionise le gaz, donc suivant les atomes, ce qui est difficile. C'est la phase de formation et d'enfance des étoiles qu'on a mis beaucoup de mal à comprendre et qui n'est réellement compris que depuis quelques dizaines, cinquantaines d'années au maximum. Milliards d'années comme la nôtre, ce qui correspond à peu près tout petit peu plus court que l'âge de l'univers, et ça, on le sait bien aussi, on connaît l'âge de l'univers vers 1960. Enfin, on sait, et ça on l'a vu déjà en regardant le ciel de façon approfondie, en sachant ce que c'était des galaxies, donc dès les années 1930, que les galaxies pouvaient se grouper, comme elles se resserrent, quand elles sont resserrées dans des espaces de groupes ou d'amas de galaxies, elles fusionnent facilement, ce qui est une particularité des galaxies, alors que les étoiles dans une galaxie, généralement, elles sont très lointaines, sauf celles qui vivent en couple, et donc elles vivent leur vie de façon totalement indépendante. On a immédiatement vu que les galaxies proches s'éloignaient de nous, d'où l'idée que tout l'univers est en expansion, et que ce qui a amené, on reviendra là-dessus, à l'idée que cette expansion, elle a commencé par un état extrêmement dense et extrêmement chaud de la matière dans l'univers, il y a 14 milliards d'années, qu'on appelle le Big Bang, pour faire court, et c'est de là qu'ont émergé les particules
qui ont formé les vaisseaux et ensuite les étoiles, donc on disait les protons et les neutrons, et aussi les fluctuations de densité qui petit à petit ont grossi et ont fini par former les galaxies. Bon, donc on en sort avec un état de la cosmologie qui est assez curieux. On connaît avec très grande précision maintenant, à la suite d'admirables observations, les paramètres de l'univers, son âge, sa densité moyenne. Par contre, les constituants, on sait qu'il existe une matière qui est différente de la matière habituelle, qu'on appelle la matière noire, donc on ne comprend pas la physique, parce qu'ils sont très grands. La distance des étoiles de notre galaxie est plein d'énormes problèmes sur le sens. Bon, on viendra, mais vous savez que les étoiles ont les mêmes éléments chimiques que sur Terre, et ça, on s'en est rendu compte au 19e siècle, quand on a pu prendre leur spectre. Mais surtout, on a pu mettre de l'ordre dans le zoo des étoiles, grâce à un travail, je dirais, bénédictin ou bénédictine, parce que c'est une équipe surtout féminine, qui, à Boston, il y a un peu plus de 100 ans, a fait la classification des spectres des étoiles, qui est encore en vigueur, et qui a permis de comprendre leur fonctionnement. Les galaxies sur le trajet, et il y a de minuscules galaxies, dont certaines ont émis il y a plus de 10 milliards d'années. C'est juste pour vous montrer, donc, donner une idée de la richesse du monde des galaxies, qui est en pleine étude actuellement, qui occupe de très nombreux astronomes pour comprendre toutes les phases d'évolution de tous les types de galaxies. Ici, c'est juste pour vous montrer que les galaxies, dans certains cas, se groupent en amas, en familles. Ces familles peuvent se distribuer sur des structures filamentaires. C'est extrêmement particulier, particularité extrême, justement, extrême dans leur propriété, extrême dans leur violence, comme les explosions de supernovae qui produisent des étoiles à neutrons où la matière a des densités absolument faramineuses et qui peuvent même, dans les cas plus extrêmes encore, produire des objets qui peuplent la science-fiction, que sont les trous noirs, qui sont prévus par la théorie de la relativité et dont on sait maintenant qu'ils peuvent fusionner pour produire des ondes gravitationnelles, qu'il y a des trous noirs supermassifs au centre de toutes les galaxies, et qu'ils fournissent les fantastiques énergies, les quasars et les radiogalaxies. Donc pour finir, on reviendra, comme je vous l'ai dit, sur les planètes, on reviendra sur nos planètes qui sont connues effectivement depuis temps, mais dont on sait depuis Copernic au XVIe siècle, et Galilée au début du XVIIe siècle qu'elles tournent autour du Soleil et qu'elles sont semblables à la Terre. Les astres absolument inouïs, violents, extrêmes. Le premier, c'est les supernovas qui en fait sont connus depuis très longtemps, sans qu'on comprenne ce que c'était. Par exemple, un astronome illustre au XVIe siècle danois qui s'appelait Tycho Brahe a eu la chance de voir une de ces supernovas en 1572. Kepler en a vu une autre 30 ans plus tard. Et puis depuis, on n'a rien vu dans la Voie lactée. Si on attend suffisamment longtemps, en particulier une minute après le début, on arrive à former des atomes d'hélium avec les neutrons qui subsistent encore. Et donc, on va sortir ensuite avec des atomes d'hydrogène, des atomes d'hélium, puis des électrons et des photons. Au début, tout est bien couplé, mais il y a un moment où les photons partent tout seuls. Là, il faut attendre 300 000 ans, vous voyez, une minute, ça passe à 300 000 ans, et c'est de là que vient le fameux rayonnement cosmologique. Vous avez pu voir, c'est la première page des journaux, que, par exemple, le satellite Planck a observé avec luxe de détails le rayonnement cosmologique, qui nous vient directement du fond des âges, quand l'univers avait seulement 300 000 ans, sur 14 milliards d'années. Donc, on a, en observant ce rayonnement, une information directe sur ce qu'était l'univers. J'ai décidé
décidé d'abandonner la physique pour passer en astrophysique et recommencer à apprendre des choses un peu de bout en bout. Mais je ne regrette pas parce que c'est un secteur qui est tellement vivant et qui permet effectivement de se poser tellement de questions que, et de côtoyer, comme on l'a dit, d'avoir le temps d'à côté, de travailler avec des gens fantastiques, des jeunes, toujours des jeunes dans l'équipe, des jeunes brillants, avoir des contacts internationaux aussi en équipe et par essence internationale, donc de voyager à travers tout le monde. Et d'avoir, et encore maintenant, vous voyez, ça fait, je ne peux pas vous dire depuis combien de temps j'ai fait la recherche, mais je continue. I gotta be the man.